Pour lui venir doubler,
Il te mettait une balle là, il t'enterrait dans le trou, et puis il te dit mettre là, elle est tournée. C'est parce que nous, on est un monde qui fait ça en blé, son monde qui méchant y est, donc pas de problème avant de mettre. Eh bien, maintenant, tu as traité serviteur ça de méchant serviteur. Mais de l'autre, il te dit bon et fidèle serviteur. Donc il te dit que tu es fidèle parce que ça, tu es maïoma, tu es fait le travail. Nous jouons fidélité tout dans le fruit de l'esprit. Fidélité encore, c'est un attribut de Dieu. Ça veut dire que bon Dieu n'a servi à son bon Dieu qui est fidèle. Et tout ça que bon Dieu a dans lui-même, il demande pour nous sembler avec, donc il demande nous-mêmes tout pour nous capables, fidèles. Donc nous voyons fidèle, ce n'est pas un monde de bonnes circonstances qui va laguer. Fidèles sont des gens qui ont conviction. Des fois, quand on parle de monde fidèle, c'est un monde qui intègre tout. Ça veut dire que le monde qui est fidèle là, depuis que tu as dit oui à un monde, depuis que tu as dit oui à une décision, quelle que soit la circonstance là, la quête. Mais le monde qui est infidèle là lui-même, il doit dire oui aujourd'hui, mais demain il change. Le monde nous joue une infidélité dans tout domaine. Tout comme nous joue une fidélité dans tout domaine. Dans le travail, est-ce qu'on est un monde que nous sommes capables de dire qu'il est fidèle? Dans l'école, est-ce qu'on est fidèle? Dans la relation avec Marie ou avec Madame, est-ce qu'on est un monde qui est fidèle? De même, dans l'église, là, dans le groupe, dans ça que vous avez comme responsabilité, mon Dieu, Mao, est-ce que c'est un monde qui est fidèle? Dans 2 Timothée 2, verset 13, la parole de Dieu dit nous, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. En pile fois, frères et sœurs, nous-mêmes qui dans l'église, nous disons c'est fidèle, nous disons fidèle à Christ. Mais dans l'école, nous, dans le travail, nous-mêmes l'activité de l'église, là, nous montrer que nous n'avons pas de conviction. Nous montrer que nous entrons dans le même compromis avec un pile monde dans le monde. Là. En pile fois, comme chrétiens, est-ce que dans la famille, nous, dans le foyer, nous, est-ce que nous n'avons pas infidèles nous? La Bible demande nous pour nous parfaits, même Jean, mon Dieu, lui-même, lui, parfait. Soyez donc parfaits, car votre Père Céleste est parfait. Qui donc nous doit être fidèles dans tout? Nous doit être fidèles dans tout? Dans toutes circonstances. Dans toutes circonstances, je veux dire, quel que soit le côté où il y a, quel que soit sa traversée, quel que soit la difficulté, quel que soit le problème, vous devez être fidèles. C'est peut-être ça, dans le message du matin qui dit, pour vous fidèles dans toutes circonstances, nous regardons avec vous, frères et sœurs, comment vous êtes capables d'être fidèles dans toutes circonstances. Comment réellement, nous-mêmes comme chrétiens, nous capables d'être fidèles. Fidèles dans l'école, fidèles dans le travail, fidèles dans la mission, dans le ministère que mon Dieu va nous, fidèles dans le foyer, nous, fidèles dans la famille. Nous. Et tout ça, nous sommes capables de résumer en deux types de fidélité. Bonne fidélité nous-mêmes avec bon Dieu et bonne fidélité nous-mêmes avec l'autre monde. Fidélité nous-mêmes avec bon Dieu, nous capable de donner fidélité verticale. Ça, c'est relation nous-mêmes avec bon Dieu. Et bonne l'autre fidélité lui-même, nous sommes capables de fidélité horizontale. C'est relation que nous-mêmes nous gagnons avec l'autre monde. Bon Dieu, bénissons. Bon Dieu bénissons. Donc nous allons commencer avec fidélité nous-mêmes gagnés avec bon Dieu, frères et sœurs, qui peut mener fidélité verticale. Qui gens pour un chrétien capable fidèle tout bon envers bon Dieu? Pour bon Dieu capable de garder et puis pour lui dire aux mêmes gens, même pas des serviteurs, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Premier bagage, frères et sœurs, vous devez avoir conviction, c'est dans la conviction en face péché que vous êtes capable vraiment d'être fidèle. Conviction en face péché. En pile, monde qui dit au fidèle, vous tombez dans l'infidélité, je dis que c'est parce que vous avez manqué conviction. Vous avez dit que c'est chrétien, vous dites que vous avez dit que vous avez dit pas café. Mais depuis que l'autre chrétien commence à faire, ça a été dit pas fait comme chrétien. Il dit si tel fait capable de faire, si pasteur est tel fait capable de faire, si diable tel fait capable de faire. Donc, les causes, nous ne pouvons pas suivre Christ, mais nous venons suivre le monde. Puis, au piège, on
chrétien capable de tomber là-dedans. C'est là qu'il a commencé à suivre mon Dieu. Et puis il tellement ouais, on nous connaît sur mon Dieu. Il s'est pas de suivre mon Dieu, mais la suivre mon ça. Son piège lié, frères et sœurs. Pour qui ça? Parce que Proverbe dit nous, la crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas. Ça veut dire que pour créer ton monde, vous voulez suivre, faire un bagage pour mon son piège lié pour vous. Même leader qui a dirigé au là. Ou à faire bagage là pour mon Dieu. Mais si vous veillez leader, depuis leader en Haïti, tout bagage marche bien. S'il fait 2-3 jours dans la mission, il fait 2-3 jours dehors, ou pas venir. Ou pas fait tâche de que vous faites, et mon son serviteur infidèle. Faut pas faire travail que vous faites pour le monde, mais faut qu'on ait fait pour mon Dieu. Pour ça, faut une conviction, frères et sœurs. La Bible dit nous que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Faut une conviction devant péché. Il y a des péchés qui arrivent devant, frères et sœurs. Il faut préparer l'esprit pour dire que moi-même, moi plutôt mourir, je ne vais pas commettre péché. Il y a un gros avantage que moi, il y a un bagage qui est propre à chrétien, mais moi, je conseille de mon monde, l'autre religion, c'est eux-mêmes qui accaparent de lui-même et c'est eux-mêmes qui pratiquent. C'est pour pas peur de la mort. En plus, le monde qui est dans l'autre religion, qui est dans la fausseté, vous voyez qui ça fait force, vous voyez qui ça fait toute conviction, c'est parce que vous n'avez pas peur de la mort. Mais vous même vous avez dans le mauvais sens. Parce que vous n'avez pas peur de la mort, ça va vous dire rien pour vous mettre un bon monde dans le pour vous entrer dans un avion et pour exploser. Ça va vous dire rien. Que vous mourrez aujourd'hui, vous mourrez demain, ça va vous dire rien. Vous avez dans le mauvais sens. Mais, vous même comme chrétien, il y a des convictions pour vous gagner. Il ne faut pas peur de la mort, il ne faut pas peur de souffrir. Lorsque vous avez l'évangile, vous pouvez peur de souffrir. Et pour peine en mort, pour qu'on peut avoir perdu conviction. Donc, vous-même, pour prier, pour demander mon Dieu, ferme pas peine en mort. Ferme pas peine souffrance. Pour qui ça? Parce que depuis, bagaille ça y est, c'est vous-même qui fait pire pour le monde tomber. Vous n'avez pas ça fait souffrir, et bien, il accepte. Vous avez ça fait perdre la vie, et bien, il accepte, frères et sœurs. Faut nous une conviction en face péché. Pour finir là, mon Dieu, dans la conviction, c'est tout le monde a commis son bagaille. Mais moi-même, on dit moi-même, c'est jeune fille l'église moyenne. Moi-même, c'est jeune garçon l'église moyenne. Moi-même, je dis ça pas pour moi. Je dis ça pas pour moi, pas baillé. Et puis, laisse-moi pour mon Dieu, mon Dieu, passer à vos présidents. Donc, pour être capable fidèle à mon Dieu, vous obligez très faire attention à la conviction en face du péché, président. C'est refuser le péché, quel que soit petit péché, gros péché. Et c'est conviction qui font pire le monde, frères et sœurs, pas qu'à faire pour Dieu plaisir. C'est conviction, manque de conviction qui font pire le monde, pas capable de fidèle dans toutes circonstances. Quand on comprend le concept de bureau, l'État, si vous êtes là d'ailleurs à midi, frères et sœurs, vous êtes étonné pour être tout le monde qui a Dieu au bon côté, puis pour vous, sous qui ça a branché, radio lumière, qui ça a pris, tout à prendre, prière midi. Mais pourtant, les rapports, c'est bureau ça y est, qui a plus de corruption. Tandis que souvent, que la mise ouais, trois camounes avec un tiradio, après les prières midi. Par contre, si tout chrétien, si tout pas chrétien, mais pile fois à l'église. Ça qui manque dans pile fois, c'est conviction, frères et sœurs. Mon arrivé dans le moment, il a dit fais ça. Les gens viennent voir la cause. C'est pour ça qu'il n'y a pas de changer. Et la bon pour lui en plus, la petite bagarre en plus, il est entré là-dedans, et puis il dit c'est pas lui-même. Là, pour ça, nous avons tristé cet esprit, mon Dieu. Quel est le bagarre que nous avons critiqué au Seigneur pour nous faire l'autre? Un bagarre qui paraît gros, et pour nos entreprises, gros mignon à voler, gros mignon, et pourtant, gros l'autre monde lui-même qui a critiqué le mignon, mais lui-même qui s'en a volé, la volé papier hygiénique que vous mettez dans la toilette, la couleur de la caille. Et ou qui n'a pas mon nom, c'est lui-même qui prend papier génie dans la caïlia, lui moins volé que ça qui prend comme dans que ça. Non. Il y a tout le même bagage, c'est que vous prenez un bagage qui part pour vous. Parce que c'est une conviction où vous kembel en face péché. Si vraiment vous voulez être capable d'agréable à Dieu, si vraiment vous voulez être fidèle à Dieu, premièrement, vous êtes capable de gagner conviction. Conviction en face péché. Conviction en face souffrance. Trois jeunes époux, ils ont des convictions. Et ils ont des convictions face à la mort. Et si nous regardons, frères et sœurs, dans la Bible,
n'apprend yon nan bagay ki te fòs an pil apote. An yon nan bagay ki te fòs an pil moun nan Ancien Testament dou, se ke yo pa pè nan mò. Et de nos jours, c'est ça qui manque nous comme chrétiens qui fait des fois nous rachitis. Nous peinons en mort, puis nous peinons en mort, nous peinons en mort. Et que on peine, qu'on appelle, ou à nous nos jours, quand même. Et pas de l'homme, on peut parler nous, mais il est important, frères et sœurs, pour une conviction. Qu'il y a des fois, dit, plutôt perdre la vie, même pas faire comme péché. Qu'il y a des fois, plutôt souffrir, même pas faire, plutôt un grand goût, même pas faire ça. C'est conviction, frères et sœurs. Deuxième bagaille qui vous permet d'être fidèle avec bon Dieu, c'est pour capter notre travail, bon Dieu confié. C'est vrai que pour une conviction, si on premier bagaille pour capable fidèle envers mon Dieu. Deuxième bagaille, c'est notre travail, bon Dieu confié. C'est là où on va montrer son fidèle, frères et sœurs. Dans Jérémie 48, verset 10, nous lit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ah, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Frères et sœurs, même qui l'a, jeune ou moins jeune, les bons Dieu confiants ont travail, là, pas tant de nadal que vous capable de monde qui fidèle. Des gens qui n'ont groupe, peut-être un monde qui était groupe blanc, soit il y a tout qui était groupe blanc, tout. Des gens, bon Dieu confiants ont travail, ils étaient bons pour aller prier pour le monde. Mais on a tellement d'occupations, on est négligent. Ou pas intéressé à ça. Ou bien on rencontre une série de difficultés dans le travail là. Ou dit mon pari mon dans l'église là. Ou dit l'église ça ou pas qu'on apprécie mon. Ou dit tel bagaille, ah, pas j'en visite. Mais que dimanche pas vivre, pas j'en vivre. Mais pour qui est-ce que tu as travail? Pour qui est-ce que tu as travail? Pas pourquoi j'ai l'homme malade pour nous parler. Mais ou même si on pas vivre, ça peut nous déranger aujourd'hui. Ou quand on peut vous dire, chef, ah, moi nous pas vivre, ça passe. Nous pas qu'à être tellement malade. On dit qu'on peut mettre des pieds encore. On ne sait pas qu'on est monde. On ne sait pas qu'on apprécie monde. Il y a combien d'années on va jamais honorer. Frères et sœurs, c'est notre travail pour Dieu confié. C'est le travail que lui-même lui confie. Et c'est lui-même qui a porté récompense. En plus, fois, bon Dieu, bon, on travaille. On est tellement pressé pour Dieu récompense. On va chercher des récompenses dans les hommes. Récompense ou pas dans les hommes, ni dans mon Dieu. Lorsqu'on travaille pour mon Dieu, même si tout le monde te servi en ingratitude, continue de travailler pour mon Dieu. Même si tout le monde fait tourner contre notre travail là, continue de travailler pour mon Dieu. Parce que on va récompense quand même. Mais mon piège là-dedans, des fois nous-mêmes comme chrétiens, comme disons ça, nous travaillons, pendant que nous travaillons pour faire mon nom. Et qui ça Jésus dit, il dit, l'homme travaille pour faire mon Noël, en vérité, pour déjà faire une récompense. Pour déjà faire une récompense, puisque on fait pour mon Noël, il faut faire à tout cœur. Si c'est pain en suie, faire à tout cœur. Si c'est micro à plonger, faire à tout cœur. Si c'est instrument en suie, faire à tout cœur. Que mon Noël, que mon parole. Si mon Dieu veut prier pour mon monde, faire à tout cœur. On n'a pas besoin de marcher, dire tout le monde. Bon Dieu, vous prier pour un tel, bon Dieu, vous prier pour un tel. Non, faire à tout cœur. Que vous connaissez, que vous ne pas connaissez. Les hommes, je ne les comprends pas. Donc, vous voyez que, faut que vous êtes capable de montrer aux filles de bon Dieu, c'est notre travail que mon Dieu confie aux frères et sœurs. Et ça a dit très, très, très important. Nous sommes chantés à l'heure là, entrez ici. Comment vous chantez? Entrez ici, bon et fidèle. Serviteur, nous sommes chantés là. Pour nous capables de dire bon, pour nous capables de dire fidèle, pour nous être capables de dire bon, pour nous dire fidèle, il faut vous assurer que vous-même, travail pour faire, vous faites bien, frères et sœurs. Je dis nous, ça travaille pour mon Dieu, c'est pour moi être très, très, très facile. Parce que pour côté, vous avez facile. Il y a un servant de mon Dieu, nous avons témoigné pour lui. Travailler, c'est presque nettoyer les toilettes, l'église. Ça veut dire que lui-même, c'est un sale plaisir. Même pour lui, pas besoin de nous voir. Il a toujours été là. Ça veut dire que vous avez besoin de venir dans la toilette. Là. Tout le monde a besoin de notre toilette. Parce que lui-même a souligné que la toilette est toujours propre. Mais le bon Dieu a décidé de lever ses amants. Le bon Dieu a dit de lever ses amants. Il faut un monde à chercher juste une toilette côté pays. Mais pas de monde qui est connu. Pas de monde qui est forcément connu. Et lui-même, il va la paix des yeux tout le temps pour ce monde qui passer là. Qui est-ce qui a fait travail pour mon Dieu?
qui pense que ce travail n'est pas lié. Si la passion est morte pour mon passé, puis mon salaire, elle est presque éclatée. Faites passer là. Non, frères et sœurs, notre travail pour mon Dieu, il faut être capable de tout serviteur. Il faut être capable de toujours laisser mettre la cap dirigeant. Pas jamais de travail là, tant que ce travail n'est pas lié. Qui te met la dirigeant là-dedans? Pas penser que le travail là, tant que ce travail n'est pas lié. C'est vous-même qui mettez, c'est vous-même qui vont faire. Non. Les bons dieux pour mission, les bons dieux pour ministère, toujours demander bon Dieu, qui ça pour me faire combien? Vous venez faire, qui ça pour me faire combien? Et après, qui ça va me faire? Et après, mon Dieu, guider chaque jour, frères et sœurs. Troisième façon qu'on a montré que vous êtes fidèle envers bon Dieu, frères et sœurs, c'est notre dîme à offrande. Dans Ecclésiaste 5, verset 5, il dit: mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc une fois nous avons un moment difficile, nous avons traversé un moment, nous disons, waouh, bon Dieu, si vous délivrez dans ces circonstances, si vous faites tel bagaille pour moi, mais qui ça m'a fait pour vous? Mais au moment du bon Dieu, il y a un gros bagaille, et tellement de bagaille apparaît impossible, ou dit qu'il y a un bagaille tout, que vous-même vous trouvez qui est tellement gros que vous forcez ça à vous faire pour vous faire. Bon Dieu lui-même lui prend au mot. Jean demande là lui faire cause. Qu'on est là tant que vous-même vous faites ça que lui demande ou la position. Et m'a dit que bon Dieu lui-même, dans l'amour, dans la fidélité, il voulait que vous-même vous semble avec. Les bon Dieu dit parole, il t'aime mal, il fidèle à moi. La patente que vous-même, ou même j'avais tout l'autre son parole, qui est mal. C'est ça l'Ecclésiaste dit nous là. C'est que plutôt, vous ne pouvez jamais faire une promesse, que vous faites mon Dieu une promesse et que vous ne pouvez pas faire une promesse. Dans 2 Corinthiens 9, verset 7, nous lit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, quand Dieu aime celui qui donne avec joie. Franchement, des fois, je réfléchis, même moi-même, je m'apprends de mon Dieu une grâce sur ça. Des fois, ou baille, si on dit ou on baille pour faire mon Dieu plaisir, baille pour mon Dieu qui est content. Pas parce que son commandement de Dieu, mon âme réticent pour le bail. Je dis mon âme bail, c'est parce qu'on perd du sort qui est dans mon âme, il faut le bail. Donc, en pile fois, frères et sœurs, nous bail, mais nous pas vraiment bail pour nous montrer que fidèle à mon Dieu. Nous ne bail pas contre, nous bail pas peur, nous bail pas pauvre, nous bail dans la misère. Donc, si on dit nous ne sommes pas bail, nous dans la misère, soit dans mon âme fini, ou presser bail. Mais est-ce qu'on bien bail là? Non, ou mal bail. C'est pour moi sans contrainte, c'est pour moi à tout cœur. La parole de l'histoire va dire non, il faut parler à tout cœur. Et ça fait si vous-même vous sentez que vous ne pouvez pas en dire, vous sentez que vous ne pouvez pas en vendre, vous sentez que vous ne pouvez pas la donner, vous sentez que vous êtes attristé, vous sentez que vous êtes marié, allez prier. Allez prier parce que vous êtes baillé, mais vous ne pouvez pas recevoir la main. Vous êtes baillé, mais vous ne pouvez pas recevoir. Bon, prédicateur qui était dans l'illustration, un monsieur à l'étranger, il a demandé aux offrandes et puis il n'était pas compris du tout. Mais il faut maintenant poster pour un vélo là. Il va y vélo là américain. Mais pendant la baille, il y a un cœur troublé dans le moment parce que pas tant de baille. Mais pendant la sortie de l'église, pendant le souverain, qui s'allouait, on vend, va vendre. Et puis il a regardé qui s'allait coller bord sous les lits, on billet $20. Et puis rapidement, qui s'allait mettre sous cœur. Nous remettons tout $20 là. Nous remettons tout $20 là. Et puis rapidement, tout est l'église, tellement les bon Dieu pardon, vous débattez avec cœur. Est-ce que mon Dieu a besoin d'argent? Soit pas le bail, mon Dieu, est-ce que pas lui-même encore mettez dans le monde qui font quatre bail? Donc, bail doit être un acte d'adoration. Le bail, c'est avec joie pour bail. Donc, si on a le bail, nous-mêmes, nous sommes au monde, pas bail, nous avons pression, mais exhortez-lui dans la joie, dans l'amour pour le bail. Parce que si vous sentez mon nom avec force, vous râlez mon nom pour faire bail, puis bail, mais bail, en vain. Mon Dieu ne va pas recevoir. Mon Dieu ne va pas faire même jamais ça. Il va vous récolter à tous les bails. Mais mon Dieu ne va pas recevoir. Donc, c'est pour nos fidèles présents envers Dieu. Nous exigeons que pour fidèles envers mon Dieu, premièrement, nous avons une conviction en face péché. Nous avons notre travail, mon Dieu, pour faire à tout faire bien, et notre dîme pour faire bien. Mais pas avec mon Dieu seulement, vous êtes fidèles. Mon Dieu m'a dit pour même j'avais. Donc si je m'en ai pour même j'avais, pour me parfait, même je lui-même pas parfait,
Eh bien, envers lui-même, moi fidèle, mais moi, ma côtoyer chaque jour, moi, je suis fidèle envers vous, tous les sœurs. De nos jours, il est difficile pour moi de position fixe. Moi, dans tous les côtés, je dis à telle position, demain, il y a telle position, en fonction de moi qui est à côté de là. Et donc, moi, je suis blanc là parce que tout le monde est blanc. Il est jaune parce que tout le monde est jaune. Mais la parole de Dieu m'a dit pour nous vraiment, frères et sœurs, fidèles. Qui j'en pour fidèles avec les hommes ou bien les gens qui entourent nous, n'a pas réellement la fidélité verticale. Premièrement, frères et sœurs, c'est pour fidèles dans la famille. Et pour assurer qu'on fidèle dans la famille. Dans la famille, il y a plusieurs niveaux là-dedans dans la fidélité. Mais ma propre, premièrement, niveau conjoint. Il prouve que trois cas, serviteur de Dieu, servante de Dieu, qui est fidèle, qui vit adultère, ils n'ont pas adultère avec le monde. Une étude qui est faite aux États-Unis qui montrait un pile serviteur de Dieu, un pile servante de Dieu qui tombe dans l'adultère, ce n'est pas avec le monde qui tombe dans l'adultère. Ça veut dire que trois canaux tombent dans l'adultère avec le monde dans l'église encore. Donc, si on parle, frères et sœurs, pour demander pour fidèles dans toutes circonstances, ou même qui marié comme mari, pour éviter l'infidélité. Parce que la parole de Dieu dit, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, ou même tout madame, faut demander bon Dieu sa sagesse pour éviter l'infidélité. Qui j'ai infidélité tombé dans la famille? Infidélité tellement bon jour pour ça. Mon ami traité pour ça. Et que il tombe dans l'infidélité. Non. Il commence avec une habitude que vous avez un monde qui n'est pas madame. Il commence avec une habitude que vous avez un monde qui n'est pas marié. C'est pour ça que l'infidélité a commencé. Pour les frères mariés, il est très important pour veiller jeunes filles qui ont côtoyé, qui ont aidé l'église. Et meilleure protection comme jeune marié, comme jeune homme qui est marié, c'est madame. Ou même madame, meilleure protection, c'est mari. Pour qui ça? Pour Dieu dit que les deux deviendront une seule chair. Donc nous vivons seuls. Ça veut dire que si une tombe, c'est nous tous les deux tomber. Donc nous obligés solidaires l'une avec l'autre. L'une à contrôler pour l'autre. Comme si vous êtes jeune fille, vous envie de payer l'école pour lui. Vous envie d'aider. Même si vous êtes pasteur. Ou pas t'appeler pour madame ou pas au courant. Même si vous n'êtes pas d'accord pour les gens que madame ou pas d'accord, madame ou bien mauvais gens, madame pas d'accord, mais depuis qu'on a fait madame ou pas au courant, le jour madame ou au courant, la connaît bon, l'autre bagaille en fin de madame. Et moun ça tout des fois, on va faire du bien, lui-même, on est mis utilisé pour sentir que seul gens, pour une gratitude envers, c'est pour le bon corps. Au pasteur, nous connaissons fidèle, le pasteur qui business. On dame missionnaire dans le bureau pasteur. Mais le bureau de l'église, là, c'est pour le pasteur qui business. Il offre le pasteur. Offre le pasteur parce que le pasteur est trop bon. C'est seul ça qui est le pasteur. Donc si le pasteur, ça, bon Dieu, pas fait grâce, il t'a tombé. Il t'a tombé. Donc ça veut dire que. Fidélité, frères et sœurs, dans le foyer. Et pour le foyer, une infidélité, connaître son foyer qui a marché sur quatre roues, mais qui a marché sur trois roues. Infidélité, c'est une bagaille qui peut écraser le foyer chrétien. Et comment on dit nous que l'infidélité a commencé? Il a commencé pour WhatsApp, on vous voit pour vous. Qui pas rien, sur WhatsApp, là, vous voyez tout le monde. Dans le WhatsApp, là, vous voyez qu'il y a fait bip, 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 bip. Là où les gens n'ont pas dit, oh, pour qu'ils soient voués, on n'a pas qu'à les voués pour tout le monde. Mais si on même prend pour tout le monde, on tout prend pour tout le monde. Si on prend pour tout le monde, lui-même lui dit c'est comme ça. C'est comme ça lié de nos jours. En pile sur l'église tombée, c'est avec des maestros chorales, des membres de l'église, des diacres même. Au pasteur, comme on a, ou soit dernièrement, ils ont frère l'église, lui, que ma. Marie ou l'autre sœur dans l'église là, vient pour te plaindre. Pour le dire, frère, ça a fait respect. Et frère marié, il dit madame, il dit petite fille,
L'autre frère a demandé que madame qui est petite fille, pour ton frère ça, a taquiné madame notre frère. A fait proposition que madame le fait. Donc c'est un bagage qui est un ennemi entre tous les côtés. Il y a des bagages qui ont été capables de pas dire l'église. Mais on a tellement produit l'église pour obliger de parler en dans l'église tout. Faut vous fidèle dans le foyer après ses soeurs. Je dis nous l'autre bagage, l'aime dit nous, infidélité a commencé dans toute habitude que vous avez dans l'autre monde qui n'est pas conjoint, qui n'est pas marié ou qui n'est pas madame. Si vous conjoint habitué à créer madame, si vous relayez dans l'autre monde, même genre, eh bien, vous avez un problème. Vous avez un problème parce que vous-même, vous venez de tête ou habitué à mon ça. Dans le travail, invitez pour tout le temps pour que vous vous côtoyez de l'autre sexe. Évitez pour tout côté au passé pour mon seul monde. Ou même qui vit ou mon monsieur dans le bureau, mon directeur de travail, tout en a côtoyé pour ne pas développer des habitudes que vous même on a supposé développer avec partenaire seulement. Quelle infidélité qui prend 6 ans pour vous consommer. Mais vous n'avez pas été infidèle, ça a 6 ans déjà. Pour qui ça me dit ça? Dans Matthieu 5, verset 28, Jésus dit: mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, même s'il dit pour un garçon, même pas la profil, c'est pas leur coucher à mon nom adultère. C'est pas leur entrer dans une relation sexuelle à mon nom adultère. Mais il y a des habitudes, il y a des kémémés, il y a des gens en paix avec un monde pour qu'ils tombent tombés dans l'adultère. Bon Dieu, il y a autant de il y a des portes pour ne pas t'ouvrir, même que c'est le monde qui a pété, ou même qui fait l'église dans tout, ou est-ce que c'est des difficultés, ou voulez aider, papa lui directement, à jouer mari. Il y a mari pour qu'il soit prêté la parole, faire des petits copes dans le même. Même si vous n'avez pas besoin, pas qu'on bataille dans tête, mais les mari à ouais, on fait des petits copes dans le même, madame, même si il n'y a pas gagné, mais qui sont venus pour le penser après. Et même homme de Dieu, serviteur de Dieu, faut nous très prudents. L'a pédé en bien-aimé. Parce que l'homme de nature est jaloux. Ou quand même, ou voulez aider ce là, si vous êtes marié, passez par marié, va marier comme là. Ou bien réunis tous les deux, mais ça me bat non. Mais il y a comme garçon, si tout le temps c'est madame, non, bah, finalement, bonjour la madame, la dit, ouais, dis-moi pour qui ça, tu es un toujours à bord comme ça. Ou dis-moi pour qui ça, parce que tu es toujours à pêcher ça comme ça. Des fois, il faut que nous prudents et faut que nous sages dans l'action à poser pour ne pas poser plus de dégâts dans la famille. Frères et sœurs. Bon, moi, dans la famille, c'est le premier côté pour être capable fidèle par rapport à nous. Pourquoi souvent que fidèle envers la famille? Et conviction à péter au fidèle dans la famille. Pour dire, quelle que soit la circonstance, moi-même, plutôt mourir, plutôt souffrir, même après, fidèle. Fidèle n'a pas seulement pour marier avec madame. Mais il est fidèle.